Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va faire un exercice sur ce qui concerne, on a déjà vu que ça, la puissance d'une matrice et application aux suites récurrentes, mutuellement récurrentes. Bon, on vous donne deux matrices A, IP A, 2, 1, moins 2, 0, 1, 0, 1, 1, moins 1, P, c'est 1, 1, moins 2, 0, 1, 0, 1, 0, moins 1. On vous demande de calculer P moins 1. Donc, P moins 1 puis se produire. Donc, pour le calcul de P moins 1, j'emploie des opérations élémentaires. J'écris alors P, 1, 1, moins 2, 0, 1, 0, 1, 0, moins 1. Et j'écris sur la même matrice, la matrice unité, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voici la matrice initiale, voici la matrice unité. L'idée, c'est de faire des opérations sur les lignes, par exemple, pour ramener la matrice, la matrice A en I. C'est le principe. Donc, on commence, par exemple, à annuler ce 1 là, parce que là, j'ai déjà des zéros dans cette zone. Donc, c'est facile d'annuler ce terme. Donc, je mets alors l'opération L1. J'injecte dans L1, L3 plus L1. Je fais la somme de tout. La ligne L3 plus L1. Donc, j'obtiens alors moins 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. J'ajoute la ligne, la totalité de la ligne en L1. Je gagne alors déjà un temps. Les autres lignes restent inchangées. Là, pour le moment, ça reste inchangé. Donc, là, je peux encore faire quelque chose, par exemple, d'ici d'annuler le deuxième élément, cet élément-là. Pour cela, je peux multiplier par moins, par 2, donc L2, je la remplace par 2 L2. Et je peux faire la somme avec L3. Donc, en fait, voilà, j'ai fait deux opérations élémentaires. On va le multiplier par 2 et somme. Donc, 2 fois 1 plus moins 2, c'est 0. 2 fois 1 plus 0, c'est 2. 2 fois 0 plus moins 1, c'est moins 1. 2 fois 0 plus 0, c'est 0. 2 fois 1 plus 0, c'est 2. 2 fois 0 plus 1, c'est 1. Voilà. Maintenant, je réécris là l'autre pour voir. Donc, 0, moins 1, 0, 0, 1. Voilà, donc il me reste alors à annuler du terme. Il me reste à annuler du terme. À annuler d'abord moins 2, puis annuler le terme moins 1. Pour annuler moins 2, donc je dois multiplier la première ligne par 2 et je somme. Donc je fais alors L3, je la mets de 2 fois L1. Moins 2. Moins 2 L1 plus L3. Je multiplie ça par moins 2 pour rendre opposé les coefficients et je somme. Donc, je fais ce travail. Donc, j'obtiens alors la matrice moins la première ligne, c'est inchangé. 0, 2, moins 1. La deuxième encore inchangé. Mais la troisième, ça va être alors moins 2 plus moins 2 plus l'opposé de m'excuse petit là c'est l'opposé il faut mettre moins 2 ici pour rendre opposé le coefficient moins 2 plus je multiplie ça par moins 2 ça donne alors 0 0 plus moins 2 fois 0 c'est 0 moins 1 plus moins 2 fois 0 c'est moins 1 0 plus moins 2 fois 1 c'est moins 2 0 plus moins 2 fois 0 c'est 0
1 plus moins 2 fois 1, c'est moins 1. Donc je retourne à mon étape. Donc j'ai réécrit alors. Bon, j'ai gagné déjà la première ligne. Je la laisse. Moins 1, 0, 0, 1, 0, 1. Mais j'ai besoin de changer ce moins 1. Donc je fais par exemple, je peux faire la différence de ligne. Donc L2, je la remplace par L2 par exemple, moins L3. Je fais ce travail. Donc L2, on va changer la L2. Donc 0 moins 0, c'est 0. 2 moins 0, c'est 2. Moins 1 moins 1. Et moins 1 moins plus 1, c'est 0. 0 moins moins 2, c'est 2. 2 moins 0. 1 plus 1, c'est 2. 0, 0, moins 1, moins 2, 0, moins 1. Donc il y a des éléments maintenant, c'est une matrice diagonale. Pour la transformer, il ne reste qu'à diviser par les termes. Donc, je fais l'opération, je divise tout par la diagonale par moins 1, c'est-à-dire je divise en fait la ligne entière par moins 1, les éléments diagonaux vont apparaître 1. Donc j'aurai 1, je divise tout par moins 1, 0, 0, moins 1, 0, moins 1. Là, je divise tout par 2. Donc 0, 1, 0, 1, 1, 1. Je divise là tout par encore par moins 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1. Et donc c'est pi moins 1, c'est ça. C'est ça pi moins 1. Donc voilà l'utilisation des opérations élémentaires. Mais faites attention encore une fois, il ne faut pas mélanger les opérations élémentaires des lignes et des colonnes. Lorsqu'il s'agit de calculer la matrice inversée, si je commence avec les opérations élémentaires uniquement sur les lignes, je dois rester jusqu'à la fin. Donc on a trouvé alors pi moins 1 est égal à moins 1. 1, 2, 0, 1, 0, moins 1, 1, 1. C'est notre P moins 1. Maintenant, le calcul de P moins 1 fois A fois P. C'est 10 calculs à faire. C'est moins 1, 1, 2, 0, 1, 0, moins 1, 1, 1, fois A. C'est quoi A? Voilà, devant nous. 2, 1, moins 2, 0, 1, 0, 1, 1, moins 1, fois la matrice P. C'est 1, 0, 1, de 1, 1, 0, moins 2, 0, moins 1. Et donc les calculs vont nous donner. Donc je multiplie carrément. Donc c'était associatif. Je peux faire d'abord les deux et après la troisième. Donc je commence à faire ce produit directement. Donc c'est ligne, colonne. Je veux l'élément qui est là. Ligne fois colonne. Donc moins 1 fois 2. C'est moins 2 plus 0 fois 1. Plus 2, c'est 2. Donc moins 1 fois 2, c'est moins 2, plus 0 fois 1, plus moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire plus 2. Moins 2 plus 2, c'est 0. Le terme qui est là, moins 1 fois 0, plus 0 fois 1, plus moins 1 fois 0, c'est 0. Le terme qui est là, moins 1 fois 1, c'est moins 1, plus 0, plus 1, c'est 0 encore. Donc je répète. Moins 1 fois moins 1, fois 1, c'est moins 1, plus 0, plus 1. Donc c'est 0. Le terme qui est là. Je fais alors la ligne colonne. Donc 2 plus 2 fois 1 fois 2, plus 1, moins 2. Donc c'est 1. Donc 2 plus 1 moins 2, donc ça reste 1. 1 fois 0, plus 1 fois 1, plus 1 fois 0. Donc c'est 1. 1 fois 0, c'est 0, plus 1 fois 1, plus 1 fois 0. 1 fois 1, plus 1 fois 1, moins 1. Donc c'est 2 moins 1, c'est 1. Voilà, pour le terme là. 2 fois 2, donc
Tu lignes, colonne. 2 fois 2, 4. 4 moins 0, plus 0, moins 2, c'est 2. Le terme qui est là, 2 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0. 2 fois 1, plus 0, c'est 2, moins 1, c'est 1. Que je dois multiplier là par la matrice 1, 1, moins 2, 0, 1, 0, 1, 0, moins 1. Donc, c'est le même travail. Ligne fois colonne, c'est 0. Ligne colonne, c'est 0, puisque c'est identiquement nul. Maintenant, le terme qui est là, je multiplie là 1 fois 1, plus 1 fois 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Ligne colonne, 1 fois 0, plus 1 fois 1, plus 1 fois 0, c'est 1. Ligne colonne. 1 fois 1, plus 1 fois 0, plus 1 fois moins 1, c'est 0. Maintenant, le terme qui est là, ligne colonne, 2 fois 1, plus 0 fois 1, plus 1 fois moins 2, c'est 0. Ligne colonne, 2 fois 0, plus 0 fois 1, plus 1 fois 0, c'est 0. Ligne colonne, 2 fois 1, plus moins 1 fois 1, 0 fois 0, c'est moins 1 fois 1, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc notre P moins 1 A P est donc égal à une matrice D avec D, c'est la matrice diagonale. C 0, 0 partout, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc je passe maintenant à la puissance de la matrice P. Donc pour le A, on remarque alors que ça c'est D. Donc A est égal à P fois D fois P moins 1. Et donc A à la puissance P, c'est quoi? C'est P fois D P moins 1, normalement, fois P D P moins 1, fois P D P moins 1. Et par associativité, c'est-à-dire je peux toujours relier les P avec les P moins 1 qui vont donner la matrice identité, donc ça nous donne P fois D à la puissance P fois P moins 1. Et donc, et la puissance d'une matrice diagonale, c'est juste la puissance des éléments diagonaux. Donc, si P, donc c'est 1 moins 2, 0, 1, 0, 1, 0, moins 1, fois la matrice D à la puissance P, c'est 0, c'est les éléments diagonaux à la puissance P. Donc, si P appartient à une étoile, à la puissance 0, c'est A à la puissance 0 pour n'importe quelle matrice, c'est la matrice unité. Comme x à la puissance 0, c'est le neutre 1, donc c'est pareil ici. Donc 0, la diagonale 0 à la puissance p, c'est 0. 1 à la puissance p, c'est 1. 1 à la puissance p, c'est 1. Et les autres éléments restent inchangés puisqu'ils sont nuls. Fois la matrice suivante, p moins 1, qu'on a trouvé. La matrice P moins 1, c'est moins 1. Voilà, 1, 2, 0, 1, 0, moins 1, 1, moins 1. Donc, c'est des calculs à faire, c'est tout. Donc, A à la puissance P est égal. Donc, je multiplie carrément ça par la première colonne identiquement nulle. Donc, ça fois la colonne, c'est 0. 1 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0, c'est encore 0. 1 fois 0, 1 fois 1 qui reste, donc c'est reste 1. 1, donc c'est 0. 1 fois 0 plus 1 fois 1, donc c'est 1. 1 fois, donc c'est 0 aussi. 1 fois 0 plus 1 fois 0 plus 0 fois 1. Ligne colonne, c'est 0. Moins 2 fois 0 plus 0 fois 1 plus moins 1 fois 0, c'est 0. C'est moins 1. Fois.
moins 1, 1, 2, 0, 1, 0, moins 1, 1, 1. Donc, voilà. Donc, si alors 0 fois moins 1, 0 fois 1, 1 fois 2, c'est 2. 0 fois 0, 0 fois 1, 1, c'est 0. 0 fois moins 1, 0 fois 1, 1, c'est 1. Alors. Et donc, vous trouvez que c'est A. 0 fois moins 1. 0 fois moins 1, plus 1 fois 1, plus 0 fois 2, c'est 1. 0 fois 0, plus 1 fois 1, plus 0 fois, là, donc c'est 1. Donc, voilà, 0 fois moins 1, plus 1 fois 1, plus 0 fois 1, c'est 1, puisqu'il est 1 fois 1. Donc, voilà, moins 2, 0, moins 1, vous trouvez, c'est 1. Voilà, je fais là, moins 2, l'autre, 0, et l'autre, ça donne moins 1. Donc, quel que soit P appartient à une étoile, A à la puissance P est égal à A, A carré c'est A, etc. Et A à la puissance 0, c'est I, qui est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, par convention. Voilà pour le... Maintenant, on va passer au suite. Donc, voilà. Donc, voilà, pour les suites, on va par exemple à interpréter matriciellement, on va poser xn plus 1 est égal xn, indice n, c'est xn, yn, zn. Et donc, xn plus 1, vous connaissez bien xn plus 1, c'est x indice n plus 1, y indice n plus 1, z indice n plus 1, que l'on peut interpréter matriciellement avec ce terme-là. C'est une matrice fois xn, yn, zn. C'est quoi cette matrice? Le coefficient c'est 2, 2 fois xn, plus 0, yn, plus 1 fois zn. C'est xn, c'est 1, 1 fois xn, plus 1, 1. Donc avec le système, je peux obtenir le moins 2, 0, moins 1. Donc on a alors matriciellement xn plus 1 égale à a fois xn. Par récurrence facile, par récurrence facile, on obtient a x indice n est égal à a à la puissance n fois x0. Xn, c'est a à la puissance n fois x0. Bon, quel que soit n appartenant à n étant. Par une récurrence, très facile. Donc, mais A à la puissance N, c'est A. Donc, quel que soit N appartient à N, le Xn égale à X0. C'est-à-dire, les suites sont constantes. Donc, quel que soit N appartient à N, Xn est égal à X0, c'est moins 1. Yn est égal à 0. Zn est égal à moins 2 pour toutes. C'est des suites, tous les droits constants. Donc voilà, j'arrête à ce niveau et à la prochaine charge. Donc là, là c'est interpréter la puissance d'une matrice ou le lien avec les suites. Donc si j'ai une suite là, récurrente, mutuellement, je peux l'écrire matriciellement et donc je peux aller comme en faisant analogie avec les suites géométriques, réelles ou complexes, et donc on atteint le terme général.